Salut tout le monde, c'est Rémi, j'espère que vous allez bien. Les amis, moi, ça va nickel, merci de demander comme d'habitude et on se retrouve les amis après une bonne semaine d'absence, évidemment, pour la carrière et le 54e épisode de la carrière avec Sunderland. Voilà, j'espère que je ne vous ai pas trop manqué, les amis, durant cette semaine. Voilà, pour évidemment ceux qui regardent d'autres vidéos et pas que celle-ci, parce que si vous regardez que celle-ci, vous dites, ben non, Rémi, non, c'était bien dimanche dernier, ta dernière vidéo avec Sunderland, donc t'inquiète, oui, mais bien sûr, j'ai pris une semaine de vacances, entre guillemets vacances, hein, parce que je travaille quand même, mais voilà, j'ai décidé de me faire une petite pause YouTube. Voilà, ça permet de charger des batteries et de revenir le mieux possible. Donc ça fait un petit moment du coup que je n'ai pas joué, je vous le précise quand même, mais voilà, en tout cas ça m'a fait un peu de bien pour ceux que ça intéresse évidemment, et puis voilà, on va pouvoir repartir de bon pied maintenant pour cette carrière avec Sunderland les amis. Voilà, donc lors d'un épisode on a fait un beau programme, enfin on a fait un bel épisode hein, avec 3 matchs, 3 victoires, un seul petit but encaissé, franchement c'était plutôt pas mal. Le programme d'aujourd'hui il est très simple, on va finir le mercato avec Ipswich, voilà, je vais pas y arriver, en FA Cup. Ensuite on aura le match retour face à Manchester United, il faudra absolument marquer, voire même gagner face à Manchester United à Old Trafford, ça va être très compliqué pour ce match retour. Et ensuite on finira avec Brentford en championnat, en espérant évidemment continuer notre petit bonhomme de chemin hein, dans cette première ligue. On est quand même pas mal premier du championnat, tranquillement les amis. Bon, évidemment, on s'était quitté avec une offre incroyable pour Ferguson. Je vous avais demandé si ça vous intéressait qu'on puisse vendre Ferguson pour acheter notre petit Jordan Henderson, l'ancien joueur de Sunderland. Voilà, donc globalement, vous étiez plutôt pour. Il y en a certains qui me disaient non, c'est une bêtise. Ferguson, il a quand même beaucoup, beaucoup de potentiel et ça serait une bêtise de prendre un joueur qui est vieillissant, etc. J'étais plutôt d'accord avec ça aussi. Hein, ça, c'est vrai que c'est totalement logique. Maintenant, les amis, de toute façon, voilà, moi je le voulais, c'était un retour, etc. Mais il y a un mais. Et oui, il y a un mais, les amis. Pourquoi il y a un mais? Parce que j'ai voulu tester quand même quelque chose, une sorte de compromis. En fait, faire un échange, avec notre ami Henderson. En gros, ce que je voulais, c'est de me dire, bon, il y a des joueurs qu'on n'utilise pas dans l'équipe. On va essayer de récupérer Henderson sans vendre, pourquoi pas, Ferguson. Et donc, mettre un autre joueur dans la transaction, comme le petit, par exemple, Garner, qu'on utilise très très peu. J'ai donc essayé de le faire, et vous allez le voir de toute façon, il est toujours dans ma liste des transferts, parce que le transfert n'a pas pu se faire, et c'est la première fois que ça m'arrive, je n'ai jamais vu cette raison-là pourquoi il ne voulait pas venir, mais vous allez le voir en direct, les amis, quand j'aurai retrouvé évidemment notre petit MDC Jordan Henderson, il est ici. J'ai donc fait approcher pour achat, et là, surprise les amis, le joueur en veut à votre club, et ne souhaite pas négocier le transfert. Alors là, je n'ai absolument pas compris ce qui s'est passé. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Jordan Henderson en veut à Sunderland? J'ai donc tout de suite pris mon téléphone, j'ai regardé un petit peu l'histoire de Jordan Henderson par rapport à ce club de Sunderland. Est-ce qu'il y a eu des différends lors de son transfert? Bah, honnêtement, je n'ai absolument rien trouvé. Donc, sans aucune raison, Jordan Henderson ne veut pas retourner à Sunderland dans le FIFA. Bah, écoutez, je ne sais pas. Alors, éclairez-moi si vous en savez plus. N'hésitez pas à me dire ce qui s'est passé. Parce que peut-être, j'ai peut-être loupé des lignes, hein, je ne sais pas du tout, mais je n'ai pas vu clairement de problème entre Jordan Henderson et Sunderland, donc n'hésitez pas à me le dire, s'il y a vraiment un vrai truc dans DLVV, les amis, n'hésitez pas à me le dire, parce que moi, franchement, je suis totalement perdu. Donc au moins, j'ai refusé l'offre, évidemment, de Ferguson. Ferguson est donc toujours dans l'équipe, voilà, il n'y aura pas de transfert avec Jordan Henderson, je suis assez déçu, pour être très honnête avec vous, mais bon, c'est pas grave, je pense que ça peut être pas mal aussi, hein, Ferguson est quand même un très bon joueur, on ne perd pas non plus au change, c'est pas forcément très grave. Mais voilà, entre-temps les amis, le petit Müller a été prêté, vous le voyez ici en notification. Müller part donc en prêt pour Grêmio. Pardon, petit problème. Oh, ça va. Hein. Le petit Ruben Müller part donc en prêt pour Grêmio pour une demi-année. Il reviendra donc au 1er juillet. Voilà, on verra bien si là, il va progresser. Dans la foulée, j'ai rappelé notre petit Jérémy Bella qui était parti en prêt du côté de Crystal Palace. Voilà, pour qu'il vienne directement s'inscrire dans la rotation. Parce que c'est vrai qu'avec les absences qu'on a, je me suis dit que c'était intéressant. Donc le petit Jérémy Bella, le voici, il a pris un point de général à 30 ans, ce qui est quand même pas mal. Donc du coup, j'ai décidé de le récupérer. Hein. Franchement, on dit voilà, je dis à un moment donné, il nous faut des joueurs intéressants aussi dans la rotation. Et je pense que Jérémy Bella en fait partie. C'est donc plutôt une bonne chose. Voilà les amis, on va donc tout de suite y aller pour le premier match de cette vidéo.
Et bien sûr, pour ce premier match, on va jouer avec une équipe bis, mais totalement bis. Hein. Je le fais très rarement, mais là, je vais le faire. On va juste regarder ce qu'on fait parce qu'on voit que Jeremy Bella est un peu fatigué, donc on va le laisser au repos aujourd'hui. Il ne jouera pas ce match. C'est donc Burnt qui sera là, mais oui, non, là, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix, évidemment, les amis, on va pas jouer avec le feu. Enfin, on va jouer avec le feu, c'est qu'il y a un gros match face à Manchester, donc là, vraiment, on n'a pas le choix. On va mettre Darami quand même sur le banc, on va même laisser le banc comme ça, je pense que ça peut être intéressant. Bella Kotchap et Botman seront en charnière centrale. Lamptey, Hume Gibson sera même là. On aura donc Garner, Massengo, Didavi, Jones, Kyle Reese et donc, voilà, le petit Burnt sur le côté droit. Je pense que ça me semble intéressant, on va y aller tout de suite pour ce match, les amis. Et bien sûr, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu, ça me ferait plaisir, un maximum de pouces bleus pour le retour, hein, tout simplement, ça fait plaisir, tu vois, tu reviens au bout d'une semaine, t'es content d'avoir un petit peu de pouces bleus, donc n'hésitez pas à les lâcher, évidemment, et à vous abonner à la chaîne, les amis, si vous le découvrez juste ma chaîne, bienvenue à vous en tout cas, et n'hésitez pas à vous abonner. On y va pour ce match, c'est parti. On est pas mal là. On fait une grosse intro là, hein, la grosse intro. Fait chaud. Moroku is back, hein. Moroku is back. Et on est à domicile. On est à domicile pour ce match de FA Cup. Oui, vous savez, contrairement à la Coupe de France, hein, souvent, la Coupe de France, quand on démarre, c'est toujours les petits clubs qui accueillent les gros. Eh bien là, ils s'en foutent complètement. C'est donc au Stadium of Light aujourd'hui que va se jouer ce quatrième tour de FA Cup. Il y a des joueurs intéressants dans cette équipe de Ipswich, donc on va faire attention évidemment, surtout que nous on a mis une équipe bis. Normalement, on est largement favori. Voilà, s'il y a des problèmes, de toute façon, on aura toujours notre petit Darami sur le banc. On pourra toujours faire rentrer ce joueur-là et on a quand même du niveau sur la pelouse. On y va pour les meilleurs moments de ce match, c'est parti. Ah, belle défense, très belle défense. Et Massengo tout de suite en une touche derrière pour Daniel Didavi. La patate de Didavi, il a été gêné. Il va revenir, il va essayer de frapper. Didavi peut-être le but du capitaine d'aujourd'hui, Daniel Didavi, 1-0 pour Sunderland. Voilà, ça fait plaisir, il s'est bien battu, il a été gêné hein, sur cette frappe. Mais derrière la technique et l'expérience de notre meneur de jeu pour venir marquer 1-0 à la 7ème minute de jeu. Et la belle défense de Bella Kotchap. C'est très bien fait de la part de Bella Kotchap. Et pourquoi pas la contre-attaque avec Ricky J. Jones. Il est rapide. Ricky J. Jones est le meilleur buteur, tout simplement, de cette FA Cup. Et il va venir marquer son 4ème but dans cette compétition, 2-0 pour Sunderland. Voilà, on peut lui faire confiance, on le sait, hein, à Jones. C'est un très très bon joueur. Une excellente doublure à Jack Lane, sans aucun souci. Vraiment, là, on a très très peu de risques avec lui, on le sait. Ça fait tout simplement 2-0, un match qu'on maîtrise vraiment bien. Et au passage, les amis, depuis le début, je dis Ipswich Town en me disant non, c'est pas ça, parce qu'ils mettent que Ipswich. Eh bien non, c'est bien Ipswich Town. Bah bon, au niveau de la prononciation, on repassera, mais vous avez compris l'idée. Je me plantais pas, finalement. En une touche, derrière pour Ricky. Ricky qui a vu le placement, ça passe au-dessus. Il a loupé son geste, il a loupé son ballon piqué, le petit Ricky. Ah, il a forcé un tout petit peu. Je pense que là, une bonne minasse, ça passe aussi. Hein. Il a peut-être dû frapper premier poteau et c'était bon. Malheureusement, il a tenté quelque chose. Toujours 2-0. Et c'est la mi-temps dans ce quatrième tour de FA Cup. Pour l'instant, on mène 2-0 sans aucun souci. Ils n'ont pas eu d'occasion pour l'instant, les joueurs de Ipswich Town. Et on a la balle, et on a la balle. Donc pour l'instant, tout va bien. Nos deux tiers cadrés, on finit au fond. On continue comme ça dans cette deuxième mi-temps. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'il est fort. Qu'est-ce qu'il est fort, dit Davy. Les passes, elles sont tout simplement lumineuses. Et Ricky J. Jones en profite, 3-0 à la 54e minute de jeu. Là, franchement, c'est très fort. Hein. Ce que fait dit Davy aujourd'hui, il fait un excellent match. Pour l'instant, auteur de 1 but et je crois 2 passes décisives. Hein. Je crois que c'est lui hein, qui a fait la passe décisive aussi sur Jones pour le premier but. Je dis peut-être des conneries, mais voilà. En tout cas, il fait un match incroyable, 3-0. Jusque-là, il n'y a rien à dire. Bien joué, bien joué.
Ah, c'est bien fait, hein, de la part de Ipswich Town qui a essayé de... Bah de contrer tout simplement, et c'est plutôt bien réalisé. Le bon ballon ici de Metcalfe, et bien voilà, il suffisait que je le dise pour qu'il nous fasse une passe magnifique. Allez Bird, la frappe et le but. 4-0 pour Sunderland, le petit Bird qui vient marquer, joueur du centre de formation. Très bien servi par Metcalfe, autre joueur du centre de formation. Voilà, on a un petit centre de formation, franchement, bah oui, l'Académie des Lumières, l'Académie of Light est quand même pas mal, on le sait. Et bien voilà, elle nous forme des bons petits cracks, ça fait 4-0, un match entièrement maîtrisé. Avec Dobson qui va décaler Burn là-bas sur le côté, c'est bien fait, hein, c'est bien fait. Et il y en a un qui est placé, est-ce qu'il est un peu en jeu, je ne sais pas. Eh bien non, il n'est pas en jeu, bloc sur ce ballon de Bird, 5-0. Un match vraiment incroyable, vraiment incroyable. Ah, l'équipe, elle me fait tellement plaisir, hein, quand elle est comme ça. Franchement, après, voilà, encore une fois, on se calme. C'est Ipswich Town en face, ce n'est pas évidemment une équipe de première ligue. Mais nous, on est avec une équipe bis, on a même des joueurs voilà, assez faibles sur le terrain, hein, quand même, on va pas se mentir. Et on arrive pourtant à vraiment dérouler, donc ça, ça fait vraiment plaisir. 5-0, la Manita infligée au petit cadet de cette FA Cup, même si la FA Cup vient de commencer. Donc petit cadet, pour l'instant, ça ne... Enfin, petit poussé d'ailleurs, on ne dit pas petit cadet, on dit petit poussé, ce qui n'a rien à voir. On va jouer Jones qui trouve un angle quand même assez incroyable. Bullock pour Bird, pour Bullock maintenant. Cherche une solution Bullock, il va la trouver là-bas avec Metcalfe. La patate de Metcalfe et le but. Le but de Metcalfe, mais oui les amis, vous ne rêvez pas. Le sixième but, il est là, il est marqué par un joueur en fin de contrat d'ailleurs, hein, qui partira à la fin de la saison parce qu'on sait qu'il n'est pas très intéressant. Mais il est là, il vient offrir une passe décisive et marquer dans ce match. Bah, franchement, tout le monde m'a fait plaisir. Franchement, c'est assez hallucinant. Hein. Toute l'équipe m'a fait extrêmement plaisir dans ce match. C'est assez hallucinant parce que bon, je m'attendais pas à une telle domination. Je me suis dit, bon, on va peut-être avoir la maîtrise du jeu. On jouera en contre comme on sait le faire, etc. Mais je ne voyais pas très clairement être dominateur à ce point-là. Et pour l'instant, bah voilà, pourtant c'est ce qu'on a fait. 6-0. Là, Ipswich Town, ils partent de cette FA Cup sans même les honneurs. Hein, parce que franchement, on ne les aura pas vus du match. Quand on regarde les stats, c'est assez éloquent. On avait la possession, ils ont eu une seule occasion. Il n'y a rien à dire. Franchement, on a été tout simplement parfait. Mais maintenant, les amis, le match, il va être extrêmement important. C'est celui face à Manchester United. On se retrouve tout de suite. Et nous voici les amis pour ce match face à Manchester United en Carabao Cup. Alors, il y a un tout petit détail qu'il va falloir que je vous précise quand même pour ce match, alors qu'on va faire la composition d'équipe en même temps. On m'a dit en commentaire que le but à l'extérieur, que le nombre de buts doublés à l'extérieur, vous savez, comme en Ligue des Champions, ne compte pas apparemment en Carabao Cup. Bon, pour être très honnête, je n'en sais rien, donc... Je vais pas dire je vais faire confiance à la personne ou pas, on verra bien. Maintenant, c'est sûr que si à 0-0 à la 90e minute de jeu, je suis pas sûr de vouloir tenter le diable. Donc je pense que je montrerai quand même assez facilement l'équipe, quoi, le bloc équipe, clairement. Mais bon, on verra bien, en tout cas, on sait pas, du coup, ça se trouve, on ira en prolongation si à 0-0. Mais j'ai quand même un gros doute. Alors après, je ne connais pas les règles, hein, pour être très honnête, en tout, donc voilà, ça sera pas... Faudra pas m'en vouloir, évidemment. On va pouvoir jouer comme ça avec une belle équipe. Alors, Jamie Bella, évidemment, va être là. On aura donc toujours Masengo, Case Ruiz, le petit Ricky qui sera ici, là aussi, parce que même s'il est un peu fatigué, voilà, il rentrera peut-être ou pas d'ailleurs, mais voilà, on va avoir quand même une belle équipe. Bon, je dis on fait la compo, mais la compo elle est simple. Hein. Voilà, on met l'équipe type et basta. Et on y va pour ces demi-finales retour de Ligue des Champions. Non, d'ailleurs, de Carabao Cup, mais c'est quand même pas mal. Et puis voilà, direction la finale, on y va. C'est parti les amis, c'est parti pour ces demi-finales. Ouais. Ah bah ça va être un gros match, ça va être un gros match. On a bien souffert hein, lors du match aller. Et aujourd'hui en plus on est à l'extérieur, donc on va avoir le contre-soutien du public. Oui, le contre-soutien, oui exactement. D'autre côté, ce sera Wolverhampton face à Manchester City. Donc ça sera dans tous les cas, si on se qualifie, un adversaire très compliqué, on le sait. Bon, de toute façon maintenant tous les matchs vont être compliqués. Et voilà, ça va être un beau match, ça va être un très beau match. On aura donc bien sûr du Marcus Rashford en face, face à Dyber Caicedo. D'ailleurs, j'ai regardé au niveau des valeurs des joueurs. Le joueur le plus cher de notre équipe, c'est Mohamed Darami d'ailleurs, qui vaut plus de 170 millions d'euros. Voilà, je le précise quand même. Voilà, comme ça vous fait une petite info supplémentaire. Donc ouais, c'est un gros joueur évidemment. Mais c'est quand même pas mal, on y va pour les meilleurs moments. C'est parti.
voulez la part de Shaw. Par contre, ça, c'est moins bien joué. Attention avec Christian Eriksen. Aïe, 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 on est en train de le laisser jouer. Eh, ça va faire but, non ? Quel sauvetage de Rajkovic ! Oh là 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 là, on les a laissés jouer là, on les a laissés jouer. Et notamment Christian Eriksen sur le côté, donc ça a été très compliqué ici le dégagement. Attention, attention, parce que si on se prend un but, ça sera pas du tout la même limonade. Je vais encore Ferguson, ben récupération de balle, attention, Robin Kaur, de ne pas faire ce genre d'erreur. Et derrière Alexander Isak, et la faute de Manolas, il va pouvoir prendre un jaune là-dessus au minimum, vu qu'il arrête totalement l'action. Ouais, il a de la chance parce que là, ça peut valoir le rouge, hein. Il est quasiment dans les défenseurs. À la pression dans ce match, elle est incroyable, hein. Elle est incroyable. Et le coup franc derrière, évidemment, le ballon bien décalé, la frappe derrière, c'est bien défendu. Oh non, c'est pas... Oh là 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 là. Une main, les amis, qui rapproche considérablement le coup franc. Je suis pas fan du tout. Heureusement, il décale, parce que là, sinon, c'était dangereux. Et derrière, on va peut-être pouvoir repartir. Oh là là, on a du mal à repartir. On a pris encore des risques sur la relance et on est en train de le payer. Mais c'est bien joué de la part de Robin Kaur. On ne s'arrête pas. On ne se quitte pas dans ce match, très clairement. Mais pour l'instant, c'est un match avec beaucoup, beaucoup d'intensité. On a 4 contre 1. 4 contre 1 à jouer. Il faut vraiment pas mal le jouer, celui-ci. Il est bien joué. Il est très bien joué. Et c'est Mohamed Darami qui vient marquer 1-0 pour Sunderland. Le contre était parfait. Incroyable. Oh là là, le 4 contre 1, là, les amis, je ne l'ai pas compris. Je ne l'ai clairement pas compris. J'ai chaud, les amis. J'ai chaud. Ah ouais, j'ai pas compris. La défense, elle voulait pas revenir. Elle avait pas envie. Ah ben, il avait un... Ah ben, c'était le choix du roi pour Dyber Caicedo. Il a décidé de choisir, tout simplement, Mohamed Darami. Et voilà, c'était le bon choix. De toute façon, je pense qu'il y en avait plusieurs bons choix dans cette action. Ça fait 1-0. Et donc, à l'heure actuelle, on est qualifié en finale, mais attention quand même, bien sûr, le match n'est loin, loin, loin d'être fini. Attention. Là, je le sens pas bien, là. Là, je le sens pas bien du tout. Oh, le tacle! Oh, le tacle incroyable de Robin Kaur! Oh, 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 ce qui nous a envoyé le sauvetage! Ah, ça vaut un but. Ça vaut clairement un but. Incroyable sauvetage de Robin Kaur. Oh là 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 là, ce tacle, mais monstrueux. Ah mais là, c'était ça passe ou ça casse, hein. Très clairement, ce tacle, il nous fait vraiment un très beau match, hein, Robin Kaur, aujourd'hui. Et attention à ce coup franc du côté de Manchester United. Marcus Rashford à la baguette. Il est pas mal tiré, mais c'est bien dégagé, surtout par la défense. Et Luke Shaw, maintenant, qui va pouvoir, pourquoi pas, libérer un peu son équipe. C'est bien fait, ce ballon, pour Jack Lane. Jack Lane qui prend le temps de choisir une solution, il va la trouver avec Mohamed Darami. Darami peut-être pour le double à la faute. Non, 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 monsieur l'arbitre. Oh, aïe, 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 la grosse faute non sifflée par l'arbitre, les gars, c'est pas possible. Ça, je ne suis pas d'accord. Ah, il était, ouais, hein, bon. C'est litigieux, on va dire. Et en tout cas, ça fait 1-0. Bah, là, la possession de balle, elle est clairement en leur faveur. Les occasions sont aussi en leur faveur. C'est plutôt équilibré en termes d'occasion, mais quand même... Match sous très très haute tension. Une dinguerie aujourd'hui à Manchester United. Allez, faut revenir. Allez, sur Rashford. Bien de la part de Mahal. Très bien joué de la part de Mahal et derrière de Ferguson. Ça, c'est parfait. Et derrière la contre-attaque, elle peut aller vite. Oh, le ballon est intéressant de la part de Mahal. Il est même très intéressant. Et c'est Jack Lane qui va se retrouver face au gardien de la frappe de Jack Lane. Et le deuxième but. Le deuxième but qui fait extrêmement plaisir. Parce que deuxième but à l'extérieur, voilà. Au moins, on vient égaliser. C'est-à-dire que maintenant, même s'il marque deux buts, peu importe qu'on soit avec tout simplement le but, la règle des buts à l'extérieur ou pas. Il y aura prolongation s'il vient à marquer deux buts aujourd'hui. Et ça, ça fait quand même plaisir. Dans le doute, on est mieux là. On est mieux. Oh, et le deuxième but, oh, il fait plaisir. Oh, franchement, il soulage. Les deuxièmes buts, de toute façon, font souvent très plaisir. Hein. Faire le break, on le sait que c'est extrêmement important. Et surtout quand le match est assez équilibré comme ça, où on sent aussi que l'équipe peut basculer à n'importe quel moment. Donc voilà, ça nous fait 2-0. On est pour l'instant devant Manchester United avec deux buts d'avance. C'est plutôt pas mal. Et derrière, on récupère des ballons intéressants. À l'image ici, le Ferguson. Ah, la balle est mal dosée de la part de Jack Lane. Mais voilà, Ferguson qui va... Ah bah oui, il fallait le garder, de toute façon. C'était obligé. Le pressing, il est intéressant. Et il est tellement intéressant qu'on récupère le ballon. Jack Lane, la frappe de Jack Lane.
Oh, le poteau, c'est pas possible! Quelle énorme frappe de Jack Lane! Oh là 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 là, putain les gars, la dinguerie du match, la dinguerie incroyable, quelle frappe, pied gauche hein, pied gauche pour Jack Lane, lui le droitier, magnifique, quel bijou de frappe, alors elle méritait tellement d'être au fond celle-ci, oh, quel match incroyable aujourd'hui franchement, c'est assez hallucinant. Et Ferguson. Ferguson qui est en train de nous montrer que clairement on a eu raison de le garder, mais c'est magnifique. Quelle remise de Jack Lane pour Mohamed Darami, 3-0. Là je pense qu'on est en finale les amis, là je pense que maintenant il ne peut plus rien nous arriver. Un match qu'on a réussi à se mettre dans la poche, hein, très clairement. Mais là, il est magnifique, hein. Ce ballon ici, la remise de Jack Lane, elle est très très belle. Et Darami qui vient finir le travail, 3-0, 5-2 sur l'ensemble de matchs, c'est parfait. La petite faute. La petite faute ici. Demain, elle, ça va avoir un carton jaune. On va faire des remplacements parce qu'au final, j'en ai même pas fait tellement le match est prenant. On va faire sortir Shaw et on va faire rentrer notre petit Jeremy Bella. Du coup, qu'on va retester. Hein, on va lui redonner un peu de temps de jeu. On va voir ce qu'il vaut après une demi-saison passée loin de nous. Et ensuite, on va faire un dernier remplacement. Peut-être Nicolas De La Cruz qu'on va sortir. On va faire rentrer Masengo comme d'habitude. Et puis Kaïs Ruiz, voilà. Voilà, les remplacements assez habituels, hein, pour le coup, hormis Jeremy Bella, évidemment, mais voilà, ça peut faire du bien. Je pense qu'à mon avis, Jeremy Bella fera beaucoup, beaucoup de bien quand il va rentrer avec sa vitesse, etc. On sait que l'année dernière, il a été très intéressant. Donc je pense clairement qu'il va beaucoup nous aider. Le but de sa petite sœur, 3 buts à 1, il reste un quart d'heure. Attention, évidemment, à la remontada du côté de Manchester United. Voilà, il va falloir fermer un peu les portes derrière. Attention à Rashford, le centre de Rashford. Da Silva qui joue avec le feu, qui joue vraiment avec le feu. Il a essayé de relancer propre, là il aurait fallu bon, un bon petit boulet de canon devant, ça aurait été plutôt pas mal. Il reste très peu de temps maintenant, normalement ça va le faire parce que même s'il marque maintenant, de toute façon je pense que ça devrait le faire sur la fin du match. Voilà, en tout cas, on a fait un match incroyable. On a fait un match incroyable, c'est terminé. On est en finale de cette Carabao Cup, objectif rempli après un premier match aller très compliqué. Mais voilà, on s'est rendu les choses un peu plus simples dans ce match retour, même si ça démarrait de manière très compliquée, hein. On l'a vu, mais franchement on a fait un superbe match. Voilà, au niveau de la possession on a un petit peu mieux joué en deuxième mi-temps. Voilà, au niveau de la possession de balle, mais sinon c'est quand même pas mal au niveau des notes. Mohamed Darami, meilleur joueur de l'équipe, en tout cas homme du match avec 9-7. Voilà, au niveau des buts, on le voit, Jack Lane est doublé de Darami, les passes D. Eh bien, on aura une passe D pour Jack Lane et Dyber Caicedo ainsi que Mael. Voilà, franchement, les joueurs sont quand même plutôt pas mal. On a fait vraiment un gros match. On va faire l'interview d'après-match avec Victoire, qui devrait être très très contente, je pense, et aussi très contente d'avoir gardé Ferguson au passage. Oui, je pense que voilà, ils en ont parlé avec le directeur. Ils se sont dit, bon, les gars, vaut mieux quand même garder Ferguson, tout ça. Jordan Anderson, il est gentil, mais quand même. Voilà, je pense que voilà, ça s'est passé tout simplement comme ça. Au passage, vous l'avez vu, Manchester City sera donc notre adversaire en Carabao Cup. Et dans cette finale de Carabao Cup, ça va être un match très intéressant, évidemment. Bah oui, après avoir affronté Manchester United, il faudra bien sûr affronter et battre Manchester City. Alors, comment jugez-vous la prestation de vos joueurs? Eh bien, écoutez, ouais, on va se tourner. Non, non, ils ont été exceptionnels. C'est vrai qu'ils ont fait vraiment un bon match. Hein. Ils ont été vraiment très, très bons. Darami, voilà, ben, homme du match, évidemment, pour Darami, qui aura fait un très gros match. Je pense qu'on peut le dire, match impressionnant de la part de Mohamed Darami. Son repositionnement n'est pas si facile que ça, en milieu de terrain offensif. Et finalement, il y arrive à se sortir de cette situation. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. On est en finale. Eh bien, écoutez, ouais, on va mettre que c'est vraiment mérité. Je pense que, ouais, on peut le dire. Franchement, on mérite d'être dans cette finale parce qu'on a vraiment fait des matchs intéressants au vu justement de cette double confrontation avec Manchester United. Non, on mérite d'être dans cette finale et ça fait vraiment extrêmement plaisir. Le prochain match, les amis, face à Brentford, on se retrouve donc tout de suite. Et voici ce match face au 15e de première ligne. Brentford, j'ai dit Brentford, hein, on est d'accord, mais je pense que les logos se ressemblent un petit peu, mais effectivement ce n'est pas Brentford, c'est bien Sheffield United, bah oui, Brentford, non, ils ne sont pas, je pense pas qu'ils soient en première ligue d'ailleurs, ah si, ils sont en première ligue d'ailleurs, ils sont en première, c'est aussi pour ça que j'ai confondu, mais Brentford, je pense qu'ils sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus bas, on va jeter un petit coup d'œil évidemment, parce que quand on se plante littéralement comme ça, il faut voir un peu ce qui se passe, et évidemment, bah non, mais pourquoi alors? Non, bah non, je sais pas pourquoi je les ai vus en première ligue. Non, non, Brentford ne sont pas en première ligue, ils sont tout simplement au moins en championship. Ouais, non, mais je ne sais pas. Je ne sais pas, en tout cas, c'est des logos qui se ressemblent un petit peu.
Ah, tu mets le logo de Sheffield et le logo de Brentford à côté, je te dis bon, quand tu regardes vite comme ça, tu peux très bien te dire que ça te ressemble, d'accord? Donc on se calme, d'accord? Les critiques, on se calme. Bon, on y va pour ce match face à Sheffield United. Et l'équipe est plutôt reposée et ça fait plutôt très très plaisir. Au passage, on simulera la fin du mercato à la fin de cet épisode. Comme ça, on en aura terminé avec cette histoire de mercatal, évidemment. Alors, Shaw, Lane, Caicedo, tout le monde est reposé, donc tout le monde va y aller comme ça. Tout le monde va y aller, ouais, ils sont au taquet. On y va pour ce match, même s'ils sont 15e, je pense que voilà, mettre une équipe type n'est pas déconnant, sachant qu'on n'a pas de match dans les 3 jours, le prochain match est dans une semaine, on aura le temps de se reposer, on y va pour ce match. Le dernier match de cette vidéo, évidemment les amis, ne pleurez pas, d'accord? Ce n'est pas grave. Allez, c'est parti les amis pour le 3e et dernier match de cette vidéo face à Sheffield United, ça va être un très très beau match aujourd'hui évidemment, parce que voilà, on sait que Sheffield c'est une équipe qui peut nous poser des soucis. Nous, évidemment, on va essayer de faire notre maximum. Voilà, Sheffield, c'est une équipe pas facile à jouer quand même. C'est pas la meilleure équipe hein, de première ligue, on le sait, mais quand même, ils ont quand même des très très bons joueurs. Il faudra faire attention et à voir s'ils ont gardé hein, les bons éléments qu'ils avaient. Mais en tout cas, c'est quand même une équipe qui a du jeu. C'est quand même intéressant. Non, je rigole, elle est claquée au sol. Bref, au passage, les amis, Jack Lane, 22 buts cette saison. À savoir que le meilleur buteur de première ligue de l'histoire a marqué 33 buts. Voilà. Donc il a 11 buts du record historique de la première ligue. On va essayer de faire notre maximum aujourd'hui pour gagner. C'est parti. On a du mal à se sortir un peu du marquage dans ce match. La faute. Putain, mais c'est quoi cet arbitre qui siffle pas? On est en première ligue ou quoi? Ah bah oui. Et là il y a faute. C'est Annie, plus rien comprendre. Joli crochet de Nicolas de la Cruz. La petite fin de deux corps, elle est... Elle est majestueuse, le petit ballon pour Jack Lane, la patate peut-être, et l'ouverture du score. Pour Jack Lane, 23e but, plus qu'à 10 buts, il n'est plus qu'à 10 buts du petit record qui va bien. On va commencer à compter les buts hein, pour Jack Lane, parce qu'il risque, très franchement, et ça ne m'étonnerait pas d'aller battre ce record. En tout cas, ça fait plutôt plaisir. 1-0 la 25e minute de jeu, un match, voilà. On ne se crée pas énormément d'occasions, mais on est là, et ça fait du bien. Bien joué de la part de Da Silva et derrière c'est Ferguson qui mène la contre-attaque avec Hugh Shaw qui décale Jack Lane. C'est pas très très bien lancé cette histoire mais ça peut quand même passer. Jack Lane, la frappe de Jack Lane, elle est arrêtée par Ransdale. Bien joué, hein, très bien joué de la part de Jack Lane. Il commence à aimer hein, ce genre de frappe, de s'arrêter comme ça et de repartir avec un centre. C'est intéressant, le coup de tête ici. Mais c'est pas possible dada. Ou Momo, ça dépend comment on voit les choses. Oh non, c'est dur, là. Le coup de tête, il est totalement loupé. Il est même plus que loupé, quoi. C'est pas un coup de tête, ça. C'est n'importe quoi. L'équipe, elle est là. Aujourd'hui, on est... Ah ben, on pousse, hein. On pousse dans les occasions. Là, il est tout seul, là, Iber Caicedo. Du coup, il va centrer. Jack Lane, le coup de tête. Il passera au-dessus. Mais il était passé devant son adversaire direct. C'est déjà pas mal. Mais ça fait toujours 1-0. Et ça sera la mi-temps, les amis, 1-0, un match qu'on maîtrise quand même plutôt pas mal. Je pense pas qu'on ait la possession de balle, par contre, parce que j'ai quand même cette impression qu'ils sont un minimum pas mal, cette équipe de Sheffield, voilà, donc 52-48. On est, voilà, en termes d'occasion, vous le voyez, 9 tirs, 3 tirs cadrés seulement, le gros souci, il est encore là aujourd'hui. Il va falloir qu'on se reconcentre un petit peu et qu'on tire de manière beaucoup plus précise dans cette deuxième mi-temps pour essayer d'aggraver le score. Aïe, 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 il nous passe là, c'est pas bien ce qu'on fait, c'est pas bien, et ça mérite un but, et c'est Burke qui vient marquer, un but partout, ouais, c'est plus que mérité là, franchement, on a fait n'importe quoi depuis l'entame de cette seconde mi-temps, on mérite ce qui nous arrive, un partout, Sheffield qui revient à hauteur, attention, attention à Sheffield, hein. Ils sont vraiment en train de nous faire mal, hein. Ils sont vraiment en train de nous faire mal quand même, Sheffield, dans leur manière de jouer, ils sont vraiment pas mal. Ah, il va falloir vraiment qu'on monte un peu plus et qu'on hausse notre niveau de jeu dans cette deuxième mi-temps. Allez, Jack Lane pour Darami. Darami qui cherche une solution, il va trouver avec Nicolas de la Cruz. De la Cruz qui va chercher une solution. Mais encore une fois, c'est compliqué. On n'arrive pas à trouver les bons angles. Là, la passe, elle est belle. Oh, c'est arrêté par Ramsdale. La frappe de Jack Lane, elle n'est pas assez puissante. Elle est un peu spontanée, c'est bien déjà. Mais malheureusement, elle n'est pas assez puissante. Allez, bien fait. Ça va vite. Ça va vite et ça fait plaisir. Avec Jack Lane qui va redécaler peut-être Darami. La passe, elle est. Elle est bien, c'est dommage, hein. C'est dommage, les passes, elles sont pas bonnes, hein. Elles sont pas bonnes, et c'est ce qui nous pénalise vraiment dans ce match pour l'instant. 70e minute de jeu, on va procéder aux 3 changements. Je vais faire sortir Shaw,
On va faire rentrer Jeremy Bella. On va faire rentrer Kyle Ruiz également, mais ça sera à la place de Nicolas De La Cruz. On va monter Kyle Ruiz, il faut qu'on gagne ce match de toute façon. Et je vais faire rentrer peut-être Tariq Lamptey à la place de Da Silva. Je pense que ça me semble pas mal. Est-ce que je mettrai mal de l'autre côté ou pas? Pourquoi pas le mettre de l'autre côté, hein, ça peut être intéressant. Bon, on va laisser comme ça. Mais ouais, c'est chaud hein, ce match, c'est compliqué. Je trouve que, ouais, mais après Sheffield se débrouille pas mal. Il nous bloque pas mal aussi en défense. Mais on fait pas beaucoup de choses positives. Eh bien, oh là 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 là, Kyle Ruiz, premier ballon touché. Et c'est directement un corner. Déjà, il montre le bon déplacement qui était pas mal là-dessus. Le corner, il est bien tiré. Il est arrêté par Jeremy Bella. Le centre en haut, il est seul. Il est seul, Ferguson. Il était totalement seul. Quel oubli. Quel oubli du côté de Sheffield. Incroyable, ils ont totalement oublié Ferguson. Ils pensaient peut-être eux aussi qu'il était parti du côté de la Juve. Eh bien non, il était là, il était présent dans l'équipe. Et il était au point de pénalty, mais vraiment totalement seul. Assez hallucinant. Sur cette deuxième lame de Jeremy Bella. Ah, il a, oh là là, l'oubli incroyable. Incroyable oubli. Et l'assurance de notre milieu de terrain défensif qui vient marquer le deuxième but du match, et le deuxième but pour nous du match en tout cas, et son deuxième but en première ligue. 2-1, on souffle un peu. Maintenant, il va falloir pas faire de bêtises et ne pas prendre ce petit but. Et attention à ce ballon. Attention à ce ballon sur le côté parce que Tariq Lamptey, il est parti aux fraises. Il est parti attaquer, donc du coup, ouais, mais là, c'est sans compter sur Robin Kaur qui quand même fait un bel épisode. Hein. Il fait un très bel épisode et le bon ballon d'ailleurs de notre défenseur central pour Jeremy Bella qui lui fait une rentrée plutôt intéressante aussi au vu de sa passe décisive. Et le centre et le coup du... Évidemment. Évidemment, il fallait tenter un coup du foulard ici. Bon, eh ben ça fait toujours 2-1 en espérant que les 3 dernières minutes, le karma ne me frappe pas. Allez, le petit ballon la frappe et le but. Le karma ne m'aura pas frappé. Jack Lane vient mettre Sheffield à terre. 3-1. On a eu chaud. Là, on a eu très chaud dans ce match. Bah c'est vrai qu'on n'était pas serein. On n'était pas serein, mais c'est vrai que les rentrants ont fait quand même du bien, même si là c'est pas eux qui sont sur cette action-là. Mais voilà, notamment Jeremy Bella sur le côté. On l'a vu lors de la dernière action avec Jack Lane où il a tenté ce petit coup du foulard. Bah franchement, il a fait vraiment une très bonne rentrée. Ça fait du bien de le revoir. Hein. Jeremy Bella, on sait qu'il a été extrêmement important l'année dernière. Et je pense que là, dans cette demi-année, il sera extrêmement important. Moi, si je l'avais mis à prêter, c'est pas du tout parce que je ne voulais plus le voir. C'est qu'on n'avait plus de place pour lui après l'arrivée du coup de certains joueurs, le retour de Shaw, voilà. C'était compliqué en fait de trouver de la place. Mais maintenant voilà, maintenant qu'on a un blessé, ben voilà, il est extrêmement utile. Voilà, et bien écoutez, belle victoire, très belle victoire. Jack Lane qui aura une belle note de 10 avec un doublé je crois du coup. Si je me trompe pas, un doublé et une passe décisive peut-être, non? Bon, un doublé, c'est déjà pas mal. Ferguson qui aura marqué son petit but aussi. Voilà, c'est plutôt sympathique. Franchement, on a fait un beau match. On se retrouve donc tout de suite, les amis, après la fin du mercato. Pour voir 2 secondes si c'est passé 2-3 trucs, mais ça m'étonnerait. Voilà, le mercato hivernal est donc terminé. La seule chose à noter, c'est celle-ci. C'est le départ dès le début de l'année prochaine pour Jordan Willis, qui était en fin de contrat chez nous. Il a donc été approché par le Victoria Guimaraes pour partir. Il a accepté. Voilà, il sera donc plus des nôtres. Il aura un club quand il partira. Donc ça, c'est vraiment cool pour lui. Il nous aura pas mal aidé aussi, hein, le petit Willis, franchement. Dans les premières saisons au Sunderland, franchement, il nous aura vraiment, vraiment, vraiment aidé. Vous le voyez, au classement, on est toujours premier avec 11 points d'avance sur Chelsea. Bon, c'est une saison qui se déroule vraiment sans accroc. Au prochain épisode, les amis, on aura le début des 8e de finale de Ligue des Champions. On aura tout d'abord, excusez-moi ma voix part en couille, Fulham pour commencer en championnat. On aura ensuite le Bayern de Munich, voilà, pour ça, j'avais très intéressant, parce que le Bayern de Munich, voilà, on joue à domicile, on va devoir, évidemment, un peu, voilà, ne pas se prendre de but, ça va être le plus important, évidemment, et on aura Leeds pour terminer, vous le voyez, ici, on aura 2 matchs de coupe lors de l'épisode d'après, donc ça va être également très intéressant, de la Carabao et la finale également, enfin, la finale de Carabao, pardon, et de la FA Cup face à Manchester United, ça va être très, très intéressant, voilà, les amis, en tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, évidemment, vous savez quoi faire. N'hésitez pas à lâcher le pouce bleu et à vous abonner à la chaîne, évidemment, si ce n'est pas encore fait. Merci encore de votre soutien. On repart, les amis, pour une petite semaine tranquille avec des vidéos, évidemment. Merci beaucoup. Gros, gros cœur sur vous, les amis. Prenez soin de vous. C'est le plus important. C'était Rémi. Bisous, bisous.